Pourquoi on mentirait? Le rêve c'est faire de la monnaie, se mettre posé tranquille sur une plage à Mani, de draguer plein de minettes à la manie, tout en sirotant un cocktail à base de l'harmonie. Vous croyez que si on le dit, ça nous rendra l'harmonie? Si on reste en harmonie avec nous-mêmes, rien d'anormal. Puis ne compte pas non plus tous les on-dit concernant le fait que le deal on connaît. Ces données sont erronées, un truc sur moi quand ils l'ont. Je porte pour dormir que 50 degrés de Dillon, car j'ai pris de l'avance, un sacré lit, dis donc. Et pourquoi faudrait-il que cela j'arrête? Une conduite différente, faut-il que je rachète? Quand je préfère mettre mon argent dans du charrette. Voilà pourquoi je traîne trop souvent chez Target. Ok, je reste honnête, et stop mon charnette. Donne-moi aussi jamais cet accord, je ne le respecte. Que tu suspectes qu'en fait je suis qu'un ado moisi, qu'enchaîne un peu trop de doigts mazo, de tout ce qui traîne comme du tamoiseau. À en devenir, comment dire, quasi mal, presque nerf, enfin bref, pour résumer, dame moisif, amorphe comme ton boyfriend le soir du prom, bientôt mort de tout ce qui se morphe comme rhum. J'avoue, on aurait pu me retrouver dead sous un abribus. A trop aimé m'injecter de l'alcool dans le sens d'expérius. Clair qu'à la vodka, je me suis souvent torché. Tant que pour moi, c'est devenu une défaillance de marché. Droit, car trop d'abus finissent par monter à la tête. Je croyais pourtant que c'était mon allié pour une cuite pure et parfaite. Mais ce genre de problème survient quand tu te sens libre. Tu t'éloignes de plus en plus de ton chemin idéal d'équilibre. Faut dire qu'à ce moment, dès que dans la poche la thune y était, ça se transformait en albour un coup vu l'opportunité. Rien de bien fou, en vrai, pas de délire vraiment originaux. Pas de meuf à mon cou, rien que d'autres marginaux. Gin tonic dans un verre, dans de l'autre la vodka Red Bull. Pleinement conscient que je voudrais éclater ma bulle. Je ne pourrais cesser de répéter que je me fous de ce qu'on en pense, que toutes les critiques glissent sur ma courbe d'indifférence. Mais en vérité, à tout ce que j'entends, j'essaie de faire attention, car trop lucide sur les conneries de mon portefeuille d'action. J'avoue que je t'apprime d'ailleurs de voir celle-ci spuler, d'être totalement incapable de m'autoréguler. À trop en parler, je suis tombé dans la tisse, c'est triste, d'être devenu victime de ma prophétie autoréalisatrice. Voilà ce qui arrive depuis que je ne sais plus quel est mon but, depuis que j'ai compris que mes sons feraient jamais augmenter le but. Je garde quand même à l'esprit quantité d'objectifs, mais qu'en tête de liste d'avoir de bons écrits à mon actif. J'en gratte depuis que j'ai 8 fiches, même si ça paraît tôt, et j'ai vite atteint mon optimum et pas suite par tôt. Je me doute, mes chansons minces qu'on écoute mes disques. Rien à foutre, je continue d'essayer, j'ai pas d'aversion risque. Et c'est toi non plus mis sur moi comme sur un mauvais cheval. C'est juste que tu exposes un table derrière la morale. Pourtant quand je vois les DMC, je sais que j'ai pas à me forcer. Je les prends un par un et suis gagnant de Condorcet. Marc Dorcel pour l'inspiration, rien à voir avec fête à guichet. Juste faire courir avec des skates dans une course au guichet. Et si tant ça, tu te font balancer des banalités. In fine, j'essaie que ton cerveau maximise son utilité. Et j'écris sans souci comme si je lâchais le missile. Le stylo glisse quasi seul comme guidé par une main invisible. La vision que t'en auras sera pas belle vu que les trouverai. Pour me délivrer, qu'importe vers où je dériverai. Donc pour l'instant, produire des textes, je m'en contente. Vu qu'à ma survie, c'est une condition nécessaire suffisante. Même si à chaque nouvelle fois où je l'ai sorti une zique, je reste convaincu que je viens de prendre un néoclassique. Mais je suis que la copie d'une copie comme l'agent Smith. Rien qu'une tête d'épingle dans la manufacture, Adam Smith.